Bienvenue à Sarafaen, cette belle porte d'entrée vers l'Estérel et les Alpes-Maritimes, l'Estérel et la mer Méditerranée qui sont notre destination aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'être accueilli par Seaways sur ce Lagoon 55. Le plaisir est pour moi. Aujourd'hui, nous accueillons Audrey et Florian. Ils vont vivre une expérience unique à bord du bateau en navigation. Quelle est la recette aujourd'hui, chef? Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé une assiette méditerranéenne à la Christ marine avec des ingrédients qui viennent de la Méditerranée et certains des Alpes-Maritimes. Hein, on a la courgette de Nice, le combava de mon jardin, on a l'huile d'olive de Cannes, hein, qui est notre huile d'olive, et puis le point d'orgue de la recette, c'est la Christ marine, cette plante endémique de la mer Méditerranée que j'ai préparée en condiment et qui viendra ponctuer notre assiette. Racontez-nous votre expérience de cuisine à bord du Lagoon 55. Très agréable. On a un espace très large, très clair, très agréable. Et puis avec cette vue sur l'extérieur qui rentre dans la cuisine, c'est absolument magnifique. Je dirais les îles grecques et peut-être même autour de la Méditerranée. C'est un bateau très marin, il est vraiment très stable et on se sent en sécurité quand le bateau navigue. Je dirais simplicité, luxe et sérénité. Oui, complètement. Aujourd'hui était une journée avec très peu de vent et malgré tout, on était les seuls à pouvoir naviguer à la voile grâce au code zéro. Une journée de beau temps au large du site de l'Hérens, au mouillage avec pourquoi pas une petite plancha. Le repas du chef au mouillage était absolument divin, il faisait un temps magnifique. La grandeur et la diversité de ces espaces extérieurs, ça nous permet de profiter du beau temps dans la région, c'est vraiment super. Plaisir en mer.